Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le deuxième épisode de mon let's play sur le jeu Mounted Blade Warband. Alors, la dernière fois, on avait commencé une partie dans le premier épisode, on avait fait les premières missions, et je vous avais laissé au jour 2, où on devait s'attaquer à un tournoi. Vous allez voir ce que c'est le tournoi exactement, donc on va le rejoindre. Donc, le tournoi, c'est 64 participants, avec des tours, des rounds, où en fait il faut finir par être survivant, soit avec son équipe, soit tout seul. Et donc l'objectif en fait c'est d'arriver à gagner un maximum de sous. Le tournoi en lui-même donne 200 deniers je crois en moyenne, mais c'est pas suffisant en fait. Et du coup, ce que vous pouvez faire c'est parier sur vous-même, on va parier 10 deniers. Donc du coup si on gagnera 130 deniers si on gagne le tournoi. On va parier, on se bat au tour suivant. Faut pas que je parie trop parce que moi d'habitude je parie 100 deniers. Oh mon dieu, ça par contre je... Ouais voilà, je suis pas sûr de gagner du coup. Bon là, je me suis un peu merdé. Donc là... On va se méfier un peu. Donc je suis bleu, il faut pas non plus... Boum! Donc là... Alors ça c'est un peu plus compliqué, j'ai pas l'habitude parce que d'habitude je fais des tournois dans les Royaumes des Nords parce que j'ai une autre partie dans les Royaumes des Nords. Ou c'est pas à cheval. C'est pas à cheval du tout et donc du coup là j'ai pas l'habitude. Boum. Mais en fait c'est pas compliqué. Avec une lance il suffit d'accélérer en fait. Et en fait il suffit de pointer correctement et ça inflige de très très gros dégâts à celui que vous embrochez avec votre lance. Comme par exemple. Bon bah là j'ai juste marché dessus. Ça semble pas lui avoir fait grand chose. On va essayer de taper sur celui-là. Ça n'a pas marché. Bon. Est-ce que j'ai pas d'autre chose? Non, j'ai rien d'autre. Hein. Ouh, ça va pas être facile. Surtout que je me fais courser. On va essayer de l'avoir celui-là. Ça y est. Surtout que j'ai pas une grosse compétence en arme d'ast. Mais bon, c'est l'occasion aussi d'augmenter nos compétences. C'est pas facile de diriger. Bon, on a fini de tourner là. Allez, c'est moi cette fois-ci, c'est moi qui vais courir après. Boum. Ça y est, bon, on a gagné. Donc il y aura 32 participants. On va essayer de reparier 10 deniers sur nous. Allez, on se bat au tour suivant. Oh non, j'aime pas ça. Alors là, faut faire gaffe. Boum. Il faut faire super gaffe. Parce qu'il y a moyen de se faire avoir directos là. Boum. J'assomme correctement là. Pouah. Là il a plus en rester beaucoup, je crois qu'il reste plus que deux, ils sont occupés à se taper dessus gentiment. Ah bon, si je me foire aussi. Donc là pour le coup ça doit pas faire mal du tout. Ouais, vous êtes gentils, vous occupez tous les deux. C'est assez compliqué la lance, hein. J'attends avec impatience Mountain Blade. Ah bah tiens, il y en a deux là aussi. Mountain Blade 2. Parce que là je pense que ça peut être vraiment sympa. Allez, on va essayer de se faire celui-là. Boum. Aïe. Ouh, il a fait mal celui-là. Il a fait super mal. Ça, c'est fait. 94 points de dégâts. Oh, ça fait super mal. Alors là, faut se méfier. Avec lui derrière, là. Hop. Cette fois-ci, c'est nous qui sommes devant. Ouh. Bon. Maintenant qu'il est à terre, ça va être un peu plus facile. Allez. Bon, d'accord. C'était raté de peu. Je vais essayer d'arrêter d'accélérer, mais faire juste tourner. D'accord.
Ça lui a rien fait. Génial. Alors, bon, on va essayer de faire demi-tour alors. Hein. Essayer de le prendre large. Faut que j'arrive à le toucher en fait surtout. Raté. Il apparaît. Il apparaît, saligo. Donc c'est très réaliste dans le sens où il faut être assez précis dans ce mouvement. Alors, à tourner ici. Bon, je vais pas y arriver hein, décidément. Il est toujours au mauvais moment, au mauvais endroit. Ah là, là ça devrait aller. Mais c'est infernal. Comment ça se fait que j'y arrive pas? J'y arrive pas du tout, c'est incroyable. Vous savez quoi, on va... Voilà, ça y est, ça marche un peu mieux. Je vais pas y arriver, hein. Ok. J'essaie désespérément de le toucher, hein. J'ai pas d'autre arme en plus, hein. Ça de façon pratique. Bon, à coup de 6 ou 5 points de dégâts, on va finir par y arriver. Ça y est. Pff, pas trop tôt. Allez, on reparie. Donc on voit que je gagne de moins en moins si je finis par gagner. Ouhou. Ah, on est 3, j'avais pas fait gaffe. Entretuez-vous. Alors, il y en a un qui s'est planté. Donc nous, on fait des tours de manège avec le vert. On va essayer d'avoir le bleu. Bon, d'accord. Ouais, ils sont occupés tous les deux. Ah non. Il y a le bleu qui vient me chercher. Oh, c'est pas facile les tournois avec la lance. Hein. Bon, j'ai infligé des gros dégâts au cheval. Mais pas au bonhomme. Ya! Oh, je les ai évités. Bam. Bon, là, je subis rien du tout et lui non plus. Donc là... Voilà, il faut s'arranger pour repasser derrière lui. J'ai figé 3 points de dégâts avec la lance et le cheval s'est cassé la figure. C'est-à-dire qu'il était vraiment pas très bien dans le point. Bon, du coup, on se la rejoue avec celui-là. Youpi. Ah. Ça part recommencer. J'ai vraiment pas envie. 18. Bon, ça j'ai un peu mieux. On va essayer de faire un dernier 18, ça devrait l'avoir. Bon, raté. Et bah vivement que ce tournoi se termine. Ah. Je suis pas loin, je pense qu'il est presque mourant là. Raté. Allez. Raté. On recommence. Ah, oh, bah décidément, je vais pas y arriver, hein.
de gueuler derrière vos LCD là, mais pour, je vais pas y arriver. Je suis une bouse à l'arme d'Ast, hein. Donc la lance, je suis une bien grosse bouse. Qu'est-ce que tu fous là, le cheval? Ça y est. Il reste 8 participants. On reparait 10 deniers. Allez, on recommence. Oh mon dieu. Raté. Il a assommé direct. Allez. Viens là. Ah, je vais pas y arriver. Décidément, faudrait que j'assomme directos de la partie de son cheval. Parce que sinon, j'ai pas envie de me la rejouer avec le... Voilà. Allez. Mais... Ah pff. points de dégâts au cheval. Mon dieu. Bon, raté. Le revoilà à pied. C'est pas du tout ce que je cherchais, mais enfin c'est pas grave. Et comment ça se fait que je lui marche dessus, ça fait rien? D'habitude ça fait quelque chose, surtout à cette vitesse. Raté, bon. Vous avez trouvé ça super passionnant comme épisode, moi qui arrête pas de rater mes coups à la lance. 21, wouhou. Raté, youpi. Peut-être finir par y arriver, un de ces quatre. Ok, moi j'ai pris des dégâts et mon cheval aussi. Oh là 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 là, j'aurais bien aimé une autre chose que cette satanée lance de mes deux. Il n'y a rien de plus immaniable. 9. Avec plus 113% bonus. On va dire que j'ai vraiment pas tapé correctement. Raté. Bon, bah si je rate un coup sur 4. Si je réussis un coup sur 4, pardon. 10. Allez, espérons qu'il est bientôt hors service. 18. Ouais, il est pas encore hors service. Ça y est. Pff. Mon dieu. Ça y est, il y aura des équipes avec chacun deux combattants. Bon, on recommence. Et on se bat au tour suivant. Ah. Alors, je vais infliger 40 points de dégâts, mais ça n'a pas suffi. Hey, tu es pas mon coéquipier, j'en ai besoin. Ça, c'est bon. Tiens, tu me l'occupes, le coéquipier, je vais faire un tour et je reviens avec une supercharge. Alors, il va falloir bien viser. Ah, le cheval, te mets pas devant. Ça, c'est bon. Allez, dernier tour. Dernier tour. Bon. Ok. Semblerait que ça a été match nul. Alors là, passe devant. Ouh, 105 points de dégâts. Et évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Raté. Eh ben dis donc, ça aurait été 20 minutes de foirage à la lance. Génial. Vous avez dû apprécier. Ah mon dieu. Je vous promets que prochain épisode, on fait autre chose. Parce que ces tournois, je sens que ça va pas être génial.
Oh, j'en ai marre, j'en ai vraiment, mais vraiment marre. 20 points. Ok, ça va déjà mieux. Oh oh, j'ai fait 2 coups d'affilée. Miracle. Raté. Ça y est. Enfin. Et j'ai gagné. Donc j'ai gagné 200 deniers plus 398 grâce au judicieux pari que j'ai placé sur moi-même. Et donc là du coup on peut se rendre au château et dire ouais je suis le plus fort et tout. Sauf qu'il a l'air d'avoir plus personne. Là c'est dommage. Il y aurait eu des nobles et tout, je me serais fait mousser. Mais il n'y a personne. Dommage. Dommage, dommage. Bon. Ah, donc je suis passé niveau 3. C'est pas mal. Hop. Un point en charisme. Et où est-ce que je peux le mettre? Santé de fer. Il faut toujours de la santé. Toujours indispensable. Et on va augmenter les armes à une main. Et les armes d'ast, ouais. Donc là pour le coup j'en ai fait. Donc là je n'ai pas de. Voilà. Royaume du roi. Machin, machin. Donc là c'est le roi. Alors, ça c'est le roi et donc du coup il faudrait devenir vassal. Mais bon, on est neutre avec lui. Donc si je fais ça, vous devez encore montrer que vous êtes un commandant compétent. C'est donc qualité. Retournez votre épée contre l'ennemi et prouvez-moi que vous êtes digne de devenir mon vassal. Donc en gros, il faut demander à faire des tâches. Vous savez probablement que je suis seigneur du village de Herben. Cependant, il s'est passé des mois depuis que Herben a rapporté les impôts et les rentes qui me sont dues en tant que seigneur légitime. Apparemment, la population est devenue indisciplinée depuis un certain temps. Blablabla. En gros, il faut que j'aille lever des impôts. Donc, ce qu'il faut pas faire pour améliorer. Alors, des à Herbel. Oui, Herbel. Il est là. Bon, bah, direction Herbel. Hein. Ils vont pas être contents, les. Parce qu'en fait, là, c'est une mission assez casse-pieds. Parce qu'au final, si je lève pas tous les impôts, le roi est pas content. Mais si je lève tous les impôts, c'est la ville qui est pas contente. Ça serait dommage qu'il me file cette ville-là. Cette ville. Enfin, Herbel. À gérer en tant que fief lorsque je serai sur vassal, ça serait un peu bête. Ça serait un peu bête. Il y a 10 pilleurs là. Quoique. Peut-être 10, c'est un peu exagéré quand même. Faut se méfier. Herbel. Donc on va déjà recruter des volontaires. Hop. Et on va collecter les impôts. Commencer la collecte, ça prendra 2 jours. C'est parti. Alors on gagne des sous, hein, c'est pas un problème. Donc là, le peuple de Herbel est révolté par vos demandes et les qualifie d'extorsion, ni plus ni moins. Ils sont très agités et pourraient mal réagir si vous continuez à les oppresser. Bah, je vais les ignorer, je vais continuer. De toute façon, je peux faire autrement. Hein. Ils vont me gueuler dessus, ça va être génial. Allez. Allez, allez. Et dis donc, on en gagne des sous, hein. 4154, pas mal. Donc là, il faut aller. Bah du coup, il est pas vraiment neutre, en fait. Il est à moins de... Du coup, faut retourner à Praven. Parce qu'il doit être dans le coin. Le roi se dépasse jamais loin, donc... On peut y aller. On peut y aller. 8 plus 1, tiens, il y a des prisonniers. On va essayer de se les faire. Allez, on y va. Chargé. Tenez cette position. Bon, ça va, c'est de la colline, ça devrait aller. On y va. On y va, on y va. Alors, on va y aller, je pense, comme ça. Donc, pas l'air d'avoir d'archers. Ouais, ils ont des lanceurs de cailloux. Pi. Boum. Tcha. Ah, raté. Faut que j'en ai une limite de 3 et ensuite je vais pouvoir donner à mes...
à mes amis l'ordre de charger. Bon bah voilà, allez hop, F1, F3, charger. Ah, bon, fin d'épisode en plus. On va finir cette bataille quand même. Vous avez vu l'épée ensanglantée. Ah mon dieu, laissez-moi tranquille. C'est un peu plus compliqué une fois qu'on est immobilisé, on peut prendre plus facilement des dégâts. Eh ben dis donc, j'ai fait un sacré carnage. Hein. Et du coup, mes unités montent pas, c'est un peu dommage. Bon, enfin, du coup, ils gagnent quand même l'expérience de groupe à la fin. Bon, raté. Tiens, si tu pouvais l'assommer, ça serait sympa, je voudrais un prisonnier. Ouais non, tue pas mes unités, toi. Ah voilà, assommé. On a gagné. Oh, c'était pas très compliqué, hein. C'est que des pilleurs. Mais après, quand c'est des déserteurs ou tout ça, ils se sont équipés avec des cotes de mailles et tout, c'est un peu la galère. Donc là, on peut capturer l'ennemi, et hop, on le capture. Et la paysanne, bon, on peut la laisser, hein. Ça sert à rien. Paysanne, c'est une paysanne. Hein. Ok. Donc on a gagné quelques deniers en plus. Les soldats sont prêts à être promus. Des recrues, cool. Voilà, ça y est, fait des mini-soyennes. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu. Désolé pour l'épisode un peu longué avec le tournoi. C'est quand même mieux avec dans les autres régions parce qu'on n'est pas à cheval, il n'y a pas les lances. Et on change d'arme entre chaque tour, c'est plutôt sympa. Et là, c'était un peu casse-pied. Même pour moi. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter, à laisser des commentaires dans la vidéo, juste en dessous dans la vidéo. Tous les liens sont dans la description. Et puis voilà, voilà. À la prochaine, salut à tous!